reparti dans notre magnifique monde de War Thames. Alors, on voulait aller à la prison, c'est pas très loin. On doit livrer un prisonnier, mais on va pas livrer notre prisonnier, on a passé trop de temps avec. Donc, on va pas la livrer. Par contre, on va aller recruter Septel de la prison. On va voir un peu comment ça se passe. Si jamais il faut payer ou quoi que ce soit, on va peut-être pas le faire. Et de toute façon, je voulais aller à la prison pour aller récupérer des chaînes. Parce que si on arrive à récupérer des prisonniers, on peut les revendre et tout, je crois. Donc ouais. Ça peut nous aider. La prison, elle est là-bas. Donc faut faire le tour, ok, ça marche. Ça va, on n'est pas recherché pour le moment. C'est genre de prisonniers. Enfin non, c'est pas des réfugiés là. On pourrait les attaquer, on les a jamais attaqués. On pourrait le faire. Après la garde, si la garde nous chope, on peut pas les combattre. Hein. Je crois pas qu'on puisse les combattre. Ils sont trop puissants. Est-ce qu'il y a des animaux ici? Ce serait bien qu'on puisse voir s'il y a des animaux ou pas. Ah, je vois pas. On peut aller pêcher d'abord. Je suis très très fan de jeu, j'aime beaucoup. J'aime beaucoup le... Genre le RPG lent comme ça, vraiment intéressant. On prend son temps, tout marche, tout fonctionne bien. Honnêtement, ils peuvent le sortir leur jeu. Je vois pas ce qu'ils peuvent rajouter. Ah oui, ils vont rajouter de la coop. Je crois que c'est à 4 joueurs, je crois. Mais honnêtement, là, je vois pas ce qui... Enfin, oui, ils peuvent le peaufiner et tout ça. Et le... Déjà, bon, les freezes, là. Les freezes, les corriger et tout. Mais honnêtement, le jeu, pour moi, il est meilleur que beaucoup de jeux qui sont là, quoi. Septel, c'est elle. Qu'est-ce que vous voulez recruter? Putain, 75, bon, c'est pas très cher. Alors, livrer un prisonnier, moins 20. Non, par contre, je veux bien... 250. Ça, c'est quoi, ça? Du chloroforme. L'alchimiste apprenti. Est-ce que ça fait bizarre si on utilise la prisonnière qu'on a avec nous pour faire du chloroforme? Je crois que ça fait un peu étrange, non? Parce que c'est un peu dangereux, même, j'ai envie de dire. Parce que si l'autre, elle apprend à faire du chloroforme et qu'elle nous chloroforme la gueule, c'est chaud. Enfin. Ouais, ça, on peut le virer. Bon, du coup, nous, on voudrait... Ok, 5... Attends, c'est quand qu'on doit payer? Un jour et 7 heures. Ouais, ça va être chaud quand même. J'ai envie de tester. On va devoir payer. On va la recruter. C'est vous accompagner désormais dans votre troupe. Ok, ça marche. Alors, attendez un peu, mercenaire. Avant de vous accompagner bien gentiment, j'ai quelque chose à faire, a-t-il dans vos yeux. Et vous allez m'y aider. Disons que c'est compris dans votre contrat. Le lieutenant Perrol m'a informé dans cette prison comme une vulgaire criminelle. Cet idiot n'a pas reconnu la fille du baron. Il aurait pu faire chanter les plus puissants hors-la-loi des 5 royaumes, mais s'est contenté de mettre au pain sec et à l'eau. Cette humiliation doit être punie. Ce minable comté doit savoir qui je suis. Je ne quitterai pas Tilton avant qu'ils me craignent tous. D'abord, attaquons des patrouilles de la garde. 2 devraient suffire. Ensuite, ce brave lieutenant se lancera à ma recherche. Et là, nous le cueillerons, compris. What the fuck?
Dans quoi je me suis engagé, moi? Honnêtement, dans quoi je me suis engagé? Au marchand, je veux bien faire ça, mais là il y a la bande. On va peut-être faire la bande. On va dormir. Dans quoi je me suis engagé, moi? Qu'est-ce que vous attendez? Ce n'est pas en restant les bras croisés que je vais me faire un nom. Ça, tu vas te calmer. Ah, je peux pas la bouger, ok. Je peux pas la bouger. Là, ça risque d'être un peu chaud. On va devoir vendre tout ce qu'on a, se mettre à poil. Alors. Cinq, 51. Ok, on est nickel. Par contre, pour l'argent, ouais, on va avoir un problème, j'ai l'impression. On va voir. Là, okay, c'est parti. Il faut deux repos pour qu'on revienne à 15 de bonheur. Ça aussi, c'est un peu chiant. Alors, le prisonnier Paléon a essayé de s'enfuir, mais Kirik est désormais à côté dans la pêche. Okay. Pourquoi elle essaye de s'enfuir? Satisfait, confiance. Confiance, satisfait. Genre, pourquoi t'essayes de t'enfuir? Hein? On va se balader dans la forêt. Oh. Combattre. C'est niveau 1, très bien, ça fera de la nourriture. Je pense qu'on va commencer à devoir voler parce que là on a un petit problème d'argent en fait. Là on a un tout petit problème d'argent. Du coup elle combat avec nous ou pas? Non, c'est pas sa quête donc j'imagine. Ah si, elle est là. Septel. Mets-toi en défense, Septel, ne bouge pas. Faut la garder en vie. Mais elle peut nous aider du coup, c'est intéressant. Ils sont tous là. Ok, il y a Taurus. Après, elle peut aider, hein, mais comportement fuir. On peut faire attaquer, mais attaquer genre quand on est déjà bien engagé, hein, tu vois ce que je veux dire? Alors, on va faire ça. Bien. On va tous les tuer pour les manger en fait, pour récupérer le plus de viande possible. On va faire comme ça. Là, t'as pas ta taurus.
Ralentissement, très bien. Alors là, faire gaffe, il y a un piège là. Yes. Nickel. Voilà, ils n'auront même pas le temps de bouger, quoi. Ils n'auront vraiment pas le temps de bouger. Alors, le piège. Tu peux? Ouais. Faut pas que j'ai vraiment, dans un sens, que j'ai peur de voler et tout ça, parce que bon, on peut toujours s'en sortir en fait. Donc, voilà, ça c'est fait. Très bien. Voilà, là c'est bien ça. C'est nickel. Un de réparer. J'ai envie de réparer honnêtement. Pourquoi ils me disent réparer deux? Genre réparer quoi? Ce qu'on a dans l'inventaire? Ah non, c'est peut-être genre un bouclier qui est abîmé. Je crois que bah, c'est Taurus qui a le bouclier. Ouais. Ouais, 40. Vas-y, au cas où si on rencontre des saloperies. Bon bah ça va. Donc du coup comment on monte par là? C'est quoi ça? C'est quoi ça? Ça fait un peu peur. C'est quoi ce symbole? Après, ils sont peut-être pas méchants. Ah, c'est peut-être la quête à elle. Bon, faut faire gaffe. Les tirs vicieux, les truands. Ce qui est le chef, c'est toi. Faut arrêter le chef. On la met en attaque. Ouais, quoi que, attends. Parce que j'ai pas vu, ils sont tous là en fait. Il y en a beaucoup là. Ok, c'est parti. Donc le chef en premier. Très bien. Ah, nickel. Oh. Ça c'est pute ça. C'est pute extrême.
Je vais enlever le poison direct, comme ça c'est fait. Alors après ce sera ces deux là. Il y a une lance là. Yes. Voilà. Et il a encore une attaque. Il a encore une attaque. On va prendre le truand avec Taurus, on va voir un peu ce que ça fait. Parce que elle peut peut-être l'attaquer. Très bien, plus ça. Réduit les dégâts de 50%. Ou alors ça gagne fureur avec du critique. Oh, joli, joli. Très joli. C'est quoi? C'est braconnier. Dégâts attaque d'opportunité augmente de 5%. Opportuniste. Voilà, très bien. Voilà, je savais bien qu'elle allait être utile. Oh merde. Ça va. Qui est engagé? Toi, t'es engagé. Magnifique! J'adore faire ça! J'adore faire ça! Oh la vache! Eh, vas-y, tue-le! Très bien. Ça, ils ont pas des AO rien, donc ça va. Yes, bien joué. Ah, bravo. Bravo, bravo, bravo. Ah putain, j'adore ce jeu. Bien joué. Alors, faut tuer elle. Ou lui, peu importe. C'est maintenant que tu fais un critique. Sérieux. Ah. Ça va. OK.
motiver les troupes. On va provoque. On récupère encore un point. Toi, critique automatique. C'est bien. Nickel. Ah, c'est violent. C'est honnêtement violent quand ça veut. Mais il reste plus que lui. Pas mal. Très bien. Très très bien. Donc je prenne l'habitude de réparer après les combats comme ça. Parce que là on est sur un écran de pause en fait. Aussi parce que j'ai pas envie que tu crèves, sinon ça nique la quête. Attends, je vais voir, ça c'est quoi? C'est armure 18, crit 2. Armure 18, crit 2. Armure 18, crit 2, mouvement 2. C'est une tunique d'or la loi. Mouvement 2. Ok. Tiens, tu peux mettre ça, c'est mieux. Ça on vend, non ça non. Dague abîmée, compétence empoisonnement. Dague abîmée niveau 3, mais là on a une dague abîmée niveau 4. Très bien, ça change. Donc ça on vendra, très bien. Ah tiens, on a plus de dague, donc tu prends ça, dégâts critiques 5%. Vu que tu fais des bons critiques, enfin, si t'as surtout ça, on passe à 26% en fait. Quand il est dans le dos d'un ennemi. Je me demande si ça marche. L'attaque dans le dos, mais est-ce que ça marche aussi pour les chasseurs? C'est ça que je me demande par contre. Vous êtes qui vous? Alors, l'aine, la purificatrice. Nous avons été envoyés d'Alazar pour nettoyer la forêt au nord de Serra Pestiférée. Ah, ok. Nous cherchions aussi un homme infecté par la peste, mais je vois que vous l'avez malheureusement soigné. Quel dommage. C'était un excellent moyen de faire progresser le remède. Ah, ils voulaient faire des tests sur lui. Ah, ils allaient sûrement m'attaquer, tout ça. Ok. 110 à 185, oh la vache. Bon, on a bien fait de... Parfait. On a bien fait de... De le soigner à temps, en fait. Avant que les autres... Enfin, eux le trouvent, quoi. Ah, donc, même les purificateurs, là, il faut leur faire, faut faire attention. Ah oui, le camp bûcheron. Vas-y, je vais voir. Est-ce qu'on peut l'utiliser ou pas? C'est vachement bien, toutes les petits détails comme ça. C'est vachement cool. Sélectionner un guerrier. Taurus. Alors, placez votre curseur au niveau du cercle, du bûcheron. Ça y est, on peut enfin couper du bois. Ça va faire 20 heures que je joue au jeu. Enfin, peut-être pas. Ça parce qu'on a commencé avec des fermiers, c'était des lanciers surtout. Oh, le lag. That's cool. Ah, mais on n'a pas besoin de lui mettre un boulot.
Ah, mais bûcheron, en fait, ça existe pas. C'est marrant parce que mineur, ça existe. Mais bûcheron, apparemment, ça existe pas. D'accord. Bon, bah, du coup, on a récupéré combien de bois? J'ai pas vu. On en a 15 maintenant. Ah, on peut faire une nouvelle lance. On peut faire une nouvelle lance. Est-ce que ça vaut le coup de voler? 30 à 55 du bois en plus. Non, je préfère voler pour de la viande ou des trucs comme ça. Alors. On va pouvoir rentrer. Alors, on a mis une corde là. On peut mettre une corde ailleurs en fait. Mais bon, nous on va maintenant. Là-bas. Par contre, elle, faut que je regarde sa quête exactement. Faut qu'on voit ce qu'elle veut qu'on tue. Enfin, qui qu'elle veut qu'on tue. Alors, je vais voir ça. Nickel. Vraiment cool ces trucs de piste. C'est dans des jeux comme ça, la plupart du temps, genre 99% du temps, où vous avez une map et tout, où vous devez vous déplacer comme ça, vous allez jamais, 99% du temps, vous avez jamais de raccourci en fait. On l'a pas pris par surprise, mais ça ira. Vous avez jamais de raccourci, vous devez toujours faire tout le tour. Et le fait qu'on puisse monter et descendre, enfin descendre et monter surtout, c'est vraiment cool. Alors me dis pas que c'est des feux d'artifice. Ordre de tir, sapeur. Cible une zone, effectue une attaque d'opportunité. Ah ok. Ah, je vois la zone, d'accord, ça marche. C'est un cône, donc on a 4 mecs là. On a le chef qui est ici, c'est un lancier. Ça marche. J'ai un peu peur de t'utiliser, toi, parce que toi, t'as 36 de vie. Enfin, après, les nôtres, ils sont... C'est juste l'armure, en fait. Ton armure, elle est un peu... C'est un peu de la merde. Oui, la nord qui va faire des brochettes. Bon, faut prendre possession du chef. Parce que son truc, les attaques de cette unité font également perdre 5% de la santé des unités touchées. C'est un peu abusé en fait. Alors. Je peux me mettre là. On a combien? On a 3. Pas mal. Très bien. C'est l'ours qu'il faut engager, c'est lui, c'est l'autre qui doit taper. C'est chiant, vous êtes chiant. Là, on a un archer.
Hacker, tu peux se faire l'archer. On a deux possibilités. Est-ce que ça l'engage ou pas? Une fois, ça leur va engager de faire ça. Je sais pas pourquoi. Je suis sûr, certain que ça l'avait engagé. Si, ça va la... Je sais pas. C'est pas grave. Du coup, on va l'engager à notre façon. Très bien. Le poney, il a un peu plus de vie maintenant, ce qui est bien. Hop là, adieu. T'es con, hein. Après ça c'est pas mal parce que on lui a mis l'engagement, donc quand il s'engage il va automatiquement récupérer un point, donc du coup il peut toujours attaquer on va dire deux fois quoi. Oula. Donc ça c'est intéressant. Sérieux, il fait pareil que moi. Ah, yes, bien joué. Qu'est-ce qu'il fait? Ok, il s'est mis en ciblage, ça marche. Un peu de la merde. Cent quarante-cinq soldes versés, ça marche. Vous voyez pas qu'on est un peu en plein combat là? Genre du coup ça marche comment? Cible une zone, effectue une attaque d'opportunité contre le premier ennemi qui traverse. Intéressant. C'est un Overwatch en fait. Du coup est-ce que moi si on attaque ça marche ou pas? Là, on lui a enlevé l'attaque. Con, hein.
Ah, tu t'es engagé. Pas très fan de ça. Je veux pas que tu t'engages. Bien joué, Taurus. Yes, let's go, let's go. Plus t'as le nom le plus simple à dire. Tous les autres, c'est super chiant, super compliqué. Genre, t'as là, t'as Mene Frae. Alors, on l'appelle Mene. Bon, Kirik, ça va, ça passe. On a Wit, parce que... With Lied, peut-être. Wizzy Lied, Wit, j'en sais rien. On a Waringtos, on l'appelle War. Hackert, avec un tel Hackert, donc on l'appelle Hacker. Voilà, c'est plus facile. Willanor, on l'appelle Will. Ouais, lui, on va l'appeler Wit. Hein. Mais Taurus, c'est facile. Au moins, on peut dire son nom sans problème. Alors... toi, tu m'embêtes, en fait. Oh. Ouais, quand tu fais un critique, tu rigoles pas. C'est énorme, c'est énorme. C'est énorme. Oh la vache. C'est quoi tous ces critiques là? Qu'est-ce qui se passe? Ah là, il va me faire chier lui. C'est quoi tous ces critiques les gens? Faut vous calmer hein. Ah tiens, est-ce que je vais faire des dégâts ou pas? Ah. Ah, contre le mur, je peux rien lui faire. Pas mal. Cent. Ouf. Nickel. Oh, une armure en or. Gambison précieux de la Légion. 23 d'armure. Oh putain. Ça, c'est du bon équipement. Donc là, on a 31. Ouais, parce que 31, parce qu'elle est améliorée. 14 de garde et transport 5. Là, on a critique 3, garde 13. À la limite, on peut la mettre sur Will, parce que Will fait mal. Les 14 de crit, Will. Et ça, c'est... Attendez, ça, c'est du crit, en plus. C'est une armure intermédiaire, donc elle, peut pas le prendre. Lui, il a pas de crit pour le moment. Non, lui non. Enfin, lui, il n'en a pas. Taurus, il n'est pas vraiment critique non plus. Par contre, toi, tu as du crit. Ah, critique et dégâts critiques augmentent de 5% quand il est équipé avec une arme à deux mains. Ouais. Critique 2. Ouais. C'est la même en fait, juste de plus haut, de en or.
On a 31, 14 et transport. En fait, il y a du transport sur celle-là, donc c'est bien. Critique 10%, critique 14 et l'attaque 15%. Après, qu'est-ce qu'on a d'autre? Armure légère. Là, on a quoi? Alors, ça, c'est ce qu'on avait. Non, ça, c'est ce qu'on avait. 20, 2 critiques. Là, on a quoi? Transport 4. Garde et armure. Transport 4. C'est intermédiaire. Ok, on a tous un peu les mêmes armures, on commence à avoir assez bien. Ça, on va la mettre de côté. Et là, on a armure 20, garde crit. Ça, c'est légère, c'est 16, portée 1. Ouais, mais elle a de l'armure, du crit. Ouais, elle a du crit, donc elle, on garde ça. C'est bien, on gagne un peu de transport en plus. Armure 18. Armure 20. On perd le mouvement, mais on gagne 2 d'armure. Et là, on gagnerait 4 d'armure. La garde, c'est la même. Mais on perd le critique. Donc, c'est mieux que ça. On est pas mal là. Là, c'est bien. Toi, t'as quoi? T'as critique 2. Là, tu gagnerais la portée. Un peu plus d'armure. Non, c'est pas vraiment. Là, c'est la même chose. Tiens, t'as qu'à mettre celle-là parce que comme ça, elle est pas abîmée. Pas besoin de la réparer. Toi, on peut te changer d'armure ou pas? 18. Ouais, non, mais j'ai pas envie de changer d'armure en fait. Personne. Ouais, non, j'ai rien dit. Force et deck, conscience augmente de 30%. J'avais pas fait attention à ça aussi. Ok, donc ça, on peut vendre. Pas mal. Voilà, un, ça répare tout. Très bien. Méné, on a 33. On est où exactement là? On est là, on a fini ça du coup. On peut rentrer. On va devoir se reposer. On peut rentrer. Et après, il faudra faire ce qu'elle veut, elle. Alors le condamné vers Gozenberg. Payer le droit de passage, conclure une négociation. C'est une indication de la mission pour conclure l'objectif. Du baron. C'est une indication. Alors, c'est quoi ça? Parce que elle, je me rappelle plus de ce qu'elle avait dit, elle. Faut tuer des gens, faut tuer des patrouilles ou un truc comme ça. Ok, très bien. Pourquoi tout réparer? Attends, qu'est-ce que je répare là? Ah, mais tout réparer, c'est genre même réparer ce qu'il y a dans l'inventaire en fait. Ah non, non, ça ira quoi. Ça ira, merci. Donc nous, on veut repartir. On fera ligne droite dans la forêt. Alors, parler. Septel. Faut que j'aille regarder ce que c'est sa quête. J'ai oublié. Je crois qu'elle veut que je tue des patrouilles, mais des patrouilles de qui? J'ai complètement zappé. Il n'y a aucun moyen de voir. Là, je vois les objectifs, mais en fait, elle, c'est des patrouilles à tuer. Rendez-vous à la frontière pour rencontrer le comité. Ok. Rendez-vous à taverne pour rencontrer. Ouais, il n'y a pas un détail en fait. Ah tiens, il y a là, il y a toutes les renommées et tout ça qu'on a récupéré. Combat continué après abandon de l'ennemi. Chaque ennemi tué augmente le moral de 1 point supplémentaire. Ouais, il y a plein de trucs. Ouais, je sais pas. Faut que je regarde ce qu'elle veut, Septel.
Je vais faire une petite pause après, je vais gérer le camp et après je fais une petite pause, je regarde pour être certain. Je comprends pas pourquoi ça. Elle est en moyen maintenant, la probabilité de fuite, donc elle veut essayer de fuir. Elle est en moyen. Je crois que c'est parce que depuis qu'on l'a soignée en fait. Mais par contre, la capacité d'évasion est à 0%, donc ça va. Oh, c'est étrange. En tout cas. Je vais voir. Port grillé. Nickel. Parfait. On est bon, faut payer. Sortir entier. Ok, 54. Je pense qu'on est nickel. Je suis assez content. On va mettre plus de gens à la tente. On va mettre plus de gens à la tente. Elle est pas vraiment bien entourée en fait. Alors attends, on va mieux gérer ça. Alors moi je la veux là, elle, lui je la veux là. Taurus, tu te mets à côté. Est-ce que Taurus, toi tu fais à Miami? Willanor. Capacité d'évasion 40%? D'accord. Merde. Ah, c'est peut-être parce qu'elle est assignée à la chose seule, en fait. Non. Putain, mais qu'est-ce qu'on avait fait tout à l'heure? Oh là là, qu'est-ce que j'ai fait? De la merde. Attends. Ok. Se mettre comme ça. Ok. Je crois que c'est un peu mieux là. Ah, il y a Méné qu'on n'a pas mis. Voilà, nickel. Là, on est à 4. 1, 2 même. L'atelier il est prêt, la marmite elle est prête. Ah, le coffre on n'a pas besoin. Enfin quoi que. Après si je mets lui. Ouais ça repasse à 20%. Parce que j'ai pas envie de la perdre. Là.
On est bien comme ça. Nickel, mangeons. Alors, ça y est, on est reparti avec les 15%. Nickel. Ah là là, dis-moi que c'est un bon truc. Quand je pense à ce fameux combat, je me suis surpassé. Si ça continue comme ça, je pourrais former une compagnie à moi tout seul. Alors, se rassurer que ses propres compétences grâce à ses hauts faits. Ah, 50. Ce serait pas mal ça. Et puis on aurait 3, donc on serait à 10. Exhorter les membres du groupe à suivre son exemple. 20 et 2, là c'est 3 et 5. Pourquoi on ferait. Ah, c'est suggéré. Suggéré par le poney. Le poney il suggère ça. Ok. Et après, s'assurer que toutes les troupes sachent bien à qui elle doit la victoire. Se vanter. Non. Et du coup, on va prendre ça. Se réjouir. Nickel. Donc, je suis allé me renseigner pour la quête de Septel. Alors, c'est la pierre qu'on peut récupérer. Honnêtement, c'est vraiment une quête qu'il faut qu'il change. Enfin, beaucoup de gens se plaignent. Donc, en gros, elle veut vraiment qu'on tue en fait des gardes qui, genre, ceux qui nous, quand on est soupçonné, ceux qui viennent nous voir. Dans mon niveau de difficulté, les trucs ils sont niveau 5 plus. Et genre, ils sont une dizaine à combattre. Ils sont genre une dizaine. Donc, non. Donc, non, on peut pas. Enfin, en tout cas, pas maintenant. Vraiment pas maintenant. Et en plus, on va être soupçonné à mort à chaque fois qu'on les tue. Donc, non, on peut pas. On peut pas se permettre, en fait. Ouh, il y a un esprit. On peut pas se permettre de faire ça. Pour le moment, on peut pas les faire. Tiens, faut qu'on récupère de la bouffe. Ah, on peut aller de ce côté. Donc, non, non, non. C'est un gros non, non, non. Alors, toi, tu voulais que je revienne où? Non, ça, on est bon. C'est une autre ferme que j'avais en tête. Donc, ouais, on est un peu bloqué. Ces groupes-là, là. Mais ils sont genre. Ouais, genre, si on leur parle et qu'on combat, ils sont genre une dizaine. Et c'est genre des mecs super bien équipés et tout ça, c'est genre fantassins, des trucs comme ça. Donc, bah non, 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 non. On va pas le faire. Donc, on va se la coltiner pendant un petit moment, je crois. Après, je crois qu'on la paye pas. Elle consomme de la viande, de la nourriture, voilà. On la paye pas. Puis après, bon, ça fera un mec en plus dans notre équipe, quoi. Mais ouais, c'est un peu abusé. Alors, le condamné, c'était quoi? Prévenez les amis du condamné au nord du lac avoisinant. Au nord du lac. C'est quoi le lac? Le lac, c'est celui-là? C'est ça? Ah, ça doit être là, peut-être. Ouais, mais on n'a pas de nourriture, faut qu'on aille récupérer de la nourriture. Eux, ils ont des armures à vendre. Arnois de la lumière. Ouh, c'est joli. Armure 24, garde, dégâts critiques, moins de mouvement. Pas mal. 70 à 115. Partir. Et le problème, c'est qu'elle veut, genre, qu'on tue deux patrouilles. Bon, déjà, une, ça va être sympa, hein, ça va être bien hein, quand on va pouvoir le faire, ça sera beaucoup plus tard. On a des cordes. Et je crois que ça doit être une centaine de soupçons. En fait, c'est une étoile, en fait, à chaque fois, je crois bien. Si on tue un groupe, c'est une étoile. C'est la loi, en fait. Donc, bon, bah, voilà, c'est tuer la loi, c'est bien. Ah, c'est une vraie truande, hein, voilà, c'est vrai que là, on est un peu dans la merde. Bon bah on va continuer à monter de niveau et on va voir, on va progresser, puis on la garde.
Et 216. Ah la putain. Ça m'énerve quand ça se passe comme ça. On a niqué toute notre influence pour ça, c'est bien. Alors 24. Ah oui, on peut vendre ça. Ça et ça. Très bien. Du sel, 24. Donc ouais, ça sera beaucoup pour beaucoup plus tard. Beaucoup de gens se plaignent donc du coup de la mission. Disent que du coup bah, c'est très extrêmement dur, hein, extrêmement difficile. Et on n'a aucun moyen de l'annuler ou quoi que ce soit. Donc ouais. Elle est bloquée avec nous. Elle est bloquée avec nous. Bon après, ouais, comme j'ai dit, elle combat et on n'a pas besoin de la nourrir. Non, on n'a pas besoin de la payer, pardon. On n'a pas besoin de la payer. On doit la nourrir. Bon, c'est pas... Ça va, quoi. Mais bon. Très bien. Alors, de la poudre, de l'eau de vie fiole, du sang infecté, flasque de poison, fiole incendiaire, bombette à main. Intéressant. C'est cher les fioles ou pas? 10, ça ferait 50. Ah tiens, c'est moins cher. Ouais, c'est moins cher, pas beaucoup en fait. Je préfère à la limite prendre les 10 fioles en fait. Qu'est-ce qu'on fait? On prend les 10 fioles? Vas-y. Comme ça, on fait des remèdes avec. Yes! C'est cool. C'est cool. On peut apprendre des recettes, recevoir des récoltes à la tablade de l'apothicaire du village. On peut apprendre des recettes. Est-ce qu'on avait des choses à apprendre à elle? Non, un bricoleur. Non, on n'a pas, pas ça. Dommage. Alors, je voudrais bien récupérer peut-être un peu plus de nourriture. Qu'est-ce qu'on pourrait faire? 2 jours, on a 2 jours. Ça va, je crois que là, on est un peu en avance sur... Sur la paye et la nourriture qui tourne à tout prix. Ouais, on va continuer encore un tout petit peu. Alors toi aussi tu voudrais que fournissez la marchandise requise par le marchand. Donc ça c'était quoi? Prenez les amis condamnés au nord du lac. Ah oui, on va aller là. On va visiter ça. Et après on va peut-être bah, faire ça, genre. Ça va être pas mal. Ouais. Ouais, c'est assez embêtant quand même, hein. J'avoue de l'avoir accepté. Je le sentais mal, hein, quand le... Mais bon. C'est fait, c'est fait. Bon, par contre, on a niqué toute notre influence. Je crois que j'ai croyé les 100 points d'influence qui sont partis. Mais ça, c'est un peu chiant, quoi.
Ah, c'est là que tu veux que j'aille, ok. Ah, du coup, on peut descendre. Un rappel. Je crois. On va voir. Ah oui, on a 100 crocs aussi. On peut peut-être vendre des trucs. Yes, on peut. Je l'ai vu. Nickel. Camp du lac. On va foutre la merde, t'imagines? Alors, Isabeth. Une nouvelle recrue n'est pas encore rentrée de son premier larcin. Cela m'inquiète. Voler du grain est facile et vite fait, il doit se passer quelque chose. Non, elle doit juste avoir du retard. Se réfugier paraissait capable de réussir à prévenir. Un ami à vous est sur le point d'être pendu. Arrêtez la première tentative, j'aurais jamais vu demander une simple paysanne de vous rejoindre. Je ne peux pas le laisser faire prendre par ma faute. Se faire prendre par ma faute, pardon. Les gars, enlève le camp et vous retrouvez-moi à la ferme. Vous aidez sera trop. Quoi? On va les aider. Bon. Par contre, c'est bien. Est-ce qu'il y avait. Il n'y a rien à voler. Si. Merci. Il n'y a rien d'autre. Fait équipe avec les bandits, après on fait équipe avec les gardes. N'importe quoi, je. Ah, mais les mecs, je suis fatigué en plus. Ramasser champignons. Ah là là. On peut pas se reposer maintenant parce que sinon on va être dans la merde. Je suis sûr que ça va finir en fait. Bon, cette fois, Isabef, c'est les bandits. Relâchez les réfugiés immédiatement. Mais vous, vous avez ramené des brigands mercenaires, êtes-vous prêts à laisser nous massacrer pour sauver les voleurs? Ce n'est qu'un paysan désespéré, relâchez-le et on ira sans heurte. À qui nous dit qu'il ne sera pas de retour dans 3 jours pour piller nos réserves? Non, il ne laissera pas partir sans aucun doute. C'est vrai que dans un sens, en fait, tous les bandits. Enfin, j'en sais rien. Ça suffit, en garde. Mercenaires! Quoi que ces voleurs vous aient promis, je vous paierai bien mieux pour nous défendre. Non même que vous étiez mêlés à ça. Sangle adaptable. Morceau de savon. Sur la front. Sangle adaptable, ça m'intéresse. Je sais pas qui rejoindre. On va rejoindre les brigands, je pense. On va récupérer un morceau de savon. Ah, je sais pas. La sangle adaptable, ça me paraît intéressant, non? Je sais pas à quoi ça sert. Sûrement pour transport. Mais le savon, alors là, qu'est-ce que ça peut être? Là, j'en sais strictement rien. Je suis curieux maintenant. Ah, peut-être que ça compterait pour sa quête aussi, j'en sais rien en fait. Ça m'étonnerait, hein, mais. Putain, tu me donnes que 2 alliés, eh ben putain. Alors, normalement, on a un debuff, c'est bien. Parce qu'on est fatigué. Force et dex moins 30, yay.
applique saignement si l'armure a subi des dégâts. Oh là là, que ça va être fun. Il est où le chef? Il est là, ok. Et là, nous, on a un chef. Septel. Ouais, mais ça, Septel, c'est celle qui est avec nous. On va la mettre en attaque. Non, 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 celui-là. Là, on a un truand. Faut qu'on chope le chef. Kirik, qu'est-ce qu'on a? Poney, là, Septel, t'as 4 mètres là. Là, on a quoi? Fantassin, Phalange, Elisabeth. Putain, j'aime pas cet emplacement. J'aime vraiment pas cet emplacement. Vous savez, je fais toujours du coup critique. L'agressivité du chef. Oh! Oh! Ok. C'est qui notre chef? C'est pas Sepnel parce que non. C'est lui. C'est Isabeth en fait, c'est elle. Oh! Ok! Ça peut être intéressant là. Ça va faire mal, c'est bien. Oh, t'es pas engagé, putain, parce que t'as repoussé. Fais chier. Bon, il y a Septel qui est empoisonné, qui saigne. On va aller les aider. Comme ça. Okay. Très bien. Je sais pas, c'est du critique, mais c'est pas du critique très haut, hein. Pauvre, non? Je sais pas ce qui se passe. Ah, elle va tirer deux fois automatiquement. Ça, c'est intéressant, marrant. Elle va pas passer au milieu. Hé hé. Nickel. Ok.
Là, ça a l'air d'être bien. Truand s'en tape. Il y a juste Septel à garder en vie. Toi, il faudrait qu'on t'engage en fait. Sachant que je vais pas pouvoir en fait. Je vais pas pouvoir l'engager. Fini. Son permis de vivre a expiré. Ça va. Je me demande si on peut en capturer quelques-uns, parce qu'on a des chaînes. À la limite, ça pourrait être pas mal. Foulage. On peut pas avoir Isabeth avec nous. Sérieusement. Ouais, enfin, en capturer, c'est un grand mot. Hein. Ça n'a pas l'air de trop fonctionner la capture, j'ai l'impression. Ah, mais je sais pourquoi on... On fait pas trop de dégâts en fait, parce qu'on est fatigué. J'avais zappé ça. Mal. Faut l'encercler. Est-ce qu'il est consignant? Ah, c'est parce qu'elle, elle ne touche pas en fait. Ah, du coup, ça nous fout dans la merde. Du coup, ah, peut-être comme ça. Est-ce que ça marche? Yes. Chaîne, chance de riz. Pourquoi c'est en rouge? Là. Ouais, tout le monde est loin. Ça m'étonnerait qu'on puisse avoir le deuxième. Mais ça serait pas mal, on n'est pas très loin de la prison, je crois.
Par contre, j'espère qu'on peut choisir quel prisonnier on lâche. Ah, je crois que c'est mort. Ah non. Quoique. Merde! 20 dégâts. Ah, j'ai pas regardé sa vie, quoi. Un bouclier. Torte. Taurus, non? Ah, torte. Ah! Là, on a récupéré le mec. Putain, tu nous as donné un bouclier. Il a armure 10, garde 13. Ouais, bon, bah, on a un meilleur bouclier, quoi, mais c'est vite fait. Compétence protection. Donc, fais voir, toi. Il a une blessure. Il a une chance de ne pas subir de blessure au combat. 360 gars, il est sanguinaire. Il est pas mal, en plus. Hein. Il est pas mal. On va voir ce qui se passe. Alors, merci de nous avoir aidés. Recruter parmi les réfugiés me semblait une bonne idée, mais leur désespoir n'en fait pas des voleurs. Sans vous, mon horaire aurait pu coûter cher à ce pauvre R. Prenez cette compensation de la part de notre camp. J'espère que ce n'est pas trop peu pour des mercenaires acceptés. Ok. Il ne reste plus qu'à accompagner ces braves gens au refuge. Ça marche. Recruter parmi les réfugiés me semble une bonne idée, mais leur désespoir ne fait pas des voleurs. Eh ouais. Merci infiniment, si ces amis étaient des brigands et que mon nouveau travail celui des voleurs, je ne serais opposé à toutes mes forces. Merci mercenaires, je vous promets qu'on ne me reprendra plus à voler. Isabeth nous a parlé du refuge, un endroit où les exilés comme nous s'entraident. C'est là que nous allons. Ok. Bon bah ça va, tout est bien qui finit bien. Est-ce que vous pouvez partir de la ferme? Voir un peu? Yes, ok, donne-moi ça. Le blé m'intéresse, moi, le blé. Alors. Il est où le savon? Réduit les gains de soupçons lors d'un vol. Oh la vache, ça tue. Ok, j'avoue. J'avoue que c'est pas mal là. Là. Ah, ok, ça valait le coup. C'est quoi ça? Le chef des réfugiés vous attend dans les refus, il y a quelque chose d'important à vous dire. Ok, le refuge. La prison est assassinée. Ah, on peut faire assassiner, on retourne après à Stormcap pour vendre et acheter. Et après on va à la prison pour livrer un prisonnier. Et après on va au refuge, on fait comme ça. Genre tac, 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 tac. Ça peut être pas mal. Ça peut être pas mal. On va camper ici. Je pense qu'on va mettre fin à cette vidéo. Sans métier... Parler... Ouais, non, mais toi, tu vas vraiment nous foutre dans la merde. Ouais, ouais. Encore heureux qu'on ne doit pas te payer. Lui, il mange 3. Alors... Capacité d'évasion, 80%. Attends. Très bien. Capacité d'évasion 20%, 40%. Ah, il faut vraiment les encercler, hein, ces cons, du coup. Alors, attends, on va refaire le camp pour essayer de les encercler le plus possible.
Ok. 0, 20%. Elle est toujours à 20%, elle. Ça, c'est parce que... Elle est toujours à 20%. 0, 0. Nickel. Ah, ça fait bizarre, hein, mais... Non, mais ça va, on gère, hein. On gère la sécurité. C'est débile d'être comme ça. C'est marrant. Ok, maintenant on a plein de bois. Ça c'est bien. Donc, faut... Ah oui, quand on va aller en ville, il faut qu'on refasse une lance. Enfin, faut qu'on fasse une lance, une nouvelle lance. Enfin, une première fois qu'on fait une lance. Alors, est-ce qu'on répare? Non. Ah, quand tout le monde fait des coups critiques, c'est pas la même, hein. C'est vraiment pas la même, hein, quand tout le monde fait des coups critiques. Pain. Du mouton en fait. Ok, parfait. Parfait, parfait. Voilà, 57. On est bon. Bon ben voilà. C'est bon, les mecs peuvent pas s'échapper. On va s'arrêter là. On va continuer. Donc comme j'ai dit, on va faire une mission. Après, on va aller à la ville. Faut qu'on utilise notre bois parce que là, on a récupéré pas mal de bois. J'aime bien. On fait une nouvelle lance pour voir un peu ce qu'on peut récupérer. Et après, on va à la prison pour livrer donc le mec qu'on a en plus. Torte. J'espère qu'on peut choisir. Après, on peut lui donner un métier. On peut. Le faire en érudit, mais bon, c'est un peu chaud quoi. Enfin, l'érudit en fait, faudrait le mettre là, genre un lutrin. Et du coup, il y a des chances en fait que le mec s'enfuit, hein, je crois. Elle a la moins de chances en fait. Confiance satisfait, confiance neutre. Pour éviter de fuite au prochain repos moyen. Ça, je comprends toujours pas. Hein. Je comprends toujours pas pourquoi ça augmente. Depuis qu'elle est, elle va bien, depuis qu'elle est, elle est guérie et tout ça, c'est pire. Très étrange. Je sais pas si c'est peut-être pas buggé ou un truc comme ça. Ça va, on a 32, c'est bien. Allez, dormons et. On va s'arrêter là. Ça avance bien. C'est juste que là, je suis un peu déçu le coup de la quête. Ça risque de nous poser problème. Donc, ouais, ça risque de nous poser un tout petit peu problème. Le coup de la quête avec Septel. On est obligé, en fait, de. Bah, ouais, dans notre niveau de difficulté, on est obligé de vadrouiller un peu, tout simplement. Tiens, on est à 100 là. On est un peu obligé de vadrouiller un peu, de faire les quêtes un peu à droite à gauche, tout ça, continuer l'histoire et tout. Et ça, on le met complètement de côté, parce que sinon. Sinon, on va se faire complètement, mais alors, rétamer en fait par la garde. Ah, et en plus, c'est pas que ça, parce que apparemment, on doit tuer deux patrouilles, donc c'est une dizaine de personnes plus, je crois, à chaque fois. T'as ça, et après, il y aura un chef qui va apparaître, apparemment. C'est ce qu'elle a dit. Après, il y aura genre un lieutenant ou un général, j'en sais rien. Et là, on va devoir se le faire. Et lui aussi, ça va être sûrement un bordel complet pour le combattre. Et à chaque fois, on va être soupçonneux. Ça va augmenter d'une étoile. Donc, on va se retrouver au à la fin de sa quête, on va se retrouver avec 3 ou 4 étoiles. Donc, je préfère qu'on soit au niveau quand même quand on en sera là. Parce que ça va faire mal. Ça va être compliqué. Après, on va sûrement récupérer énormément de bonnes choses, hein, parce que c'est des hauts niveaux. Hein, mais.
Mais ouais, ça va être un peu compliqué. À la prochaine, ciao.